national. Le secrétaire général, M. Souleymane Diagne, a fait une déclaration pour dire qu'il est candidat à la mairie de Boulogne. Nous comprenons sa position ce jour-là. D'autant plus qu'il est né à Goudron, il a fait ses premières humanités à Goudron. Et ce jour-là, les maires, les différents maires du département, et le président du conseil départemental étaient là-bas, et eux tous ont demandé sa candidature à la mairie de Goudron. Nous prenons acte. Mais nous, en tant que coordination à Ziguinchor, nous, en tant que responsables, nous avons fini de faire le maillage de la commune de Ziguinchor. Nous espérons que cette déclaration est un peu hâtive. Raison pour laquelle nous avons donc appelé les responsables et quelques militants pour dire que nous disons non à la candidature de Souleymane Diagne à Goudron. Nous voulons qu'il soit candidat ici à Ziguinchor. Parce que c'est les Ziguinchorois qui ont besoin du sang neuf dans la gestion des affaires de la commune. Et Souleymane Diagne est le meilleur profil. Compte tenu de ce qu'il a fait au niveau de Ziguinchor, au niveau des jeunes, au niveau des femmes, au niveau des personnes du troisième âge, au niveau des différentes communautés, telles que la communauté musulmane et catholique, Souleymane Diagne, aujourd'hui est le meilleur maire qu'on puisse avoir en 2020. Ah oui, ah oui. Monsieur le secrétaire général, nous, de la coordination de Ziguinchor, demandons à ce que vous reveniez sur votre décision. C'est Ziguinchor qui a beaucoup plus besoin de vous que Goudron. Parce qu'à Ziguinchor, il y a beaucoup de choses à régler. Et ces jeunes croient en vous. Des milliers de militants, des milliers de Ziguinchorois pensent que la commune de Ziguinchor mérite un profil tel que le vôtre. Donc je parle au nom de tous les responsables et de tous les militants de la SBD Yonou-Natang. Mairie journal.